the Suez for Oceans project is fantastic. Painting the one of the mobile assets that we have, around 150 of in Europe. They travel right across Europe, answering our customers' needs, emergency needs and short-term needs for water. So they're on the roads across Europe, and it's a great way to share this message and this project with them. Once the equipment is actually lands on site, it doesn't have the typical Suez branding. It's obviously got this graffiti art. So it's a fantastic opportunity to create a talking point with our customers and share the Suez for Oceans project with them, and become a talking point about how we contribute to the environment and how they can help us. Alors, ce qui nous a motivés à nous investir sur ce projet, c'est déjà la thématique de la protection de l'environnement, de la protection des océans, qui nous tient particulièrement à cœur. Ensuite, il y avait le support, ce semi-remorque qui est quelque chose d'assez inédit pour nous. C'est la première fois qu'on peint sur un support roulant. Et les graffeurs, on est particulièrement friands de supports roulants comme les métros ou les trains. Mais un semi-remorque, c'était la première fois. Et enfin, la notoriété de Suez qui nous permet d'avoir une belle visibilité sur cette opération. On a envisagé cette thématique avec un double point de vue, puisqu'on avait deux faces à décorer. La première face qui représente la vie marine du point de vue des animaux, avec des animaux marins, donc les baleines et un décor subaquatique. Et l'autre face qui représente la vie des océans vue du point de vue de l'homme, du point de vue de la Terre, avec la plage, la mer et encore quelques éléments de faune marine, avec le foubassan qui est un oiseau assez répandu en Europe sur les littoraux.